Le 22 octobre 1956, quatre des chefs historiques du FLN algérien devaient quitter le Maroc pour Tunis afin de poser avec les partis frères maghrébins les bases d'un rapport de force politique décisif pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Leur avion sera détourné par les autorités françaises d'Alger, hostiles à toute négociation. Et le gouvernement français dirigé par Guy Mollet, mis devant le fait accompli, ne pourra que se résoudre à valider cet acte de piraterie. Arrêtés et emprisonnés durant 6 ans, ils participeront néanmoins activement au dénouement du conflit franco-algérien. Comment Ahmed Ben Bella, futur premier président de l'Algérie indépendante, ainsi que ses compagnons, leaders de la révolution algérienne, ont-ils vécu cette captivité? Comment sont-ils passés du statut de prisonnier à celui de négociateur? Qui étaient ces hommes? Ahmed Ben Bella, dit Emmy Med, né en 1916 à Marnia, près d'Oran. Condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité, il est considéré comme un spécialiste de l'action clandestine et responsable du terrorisme en Algérie. Aussi Naït Ahmed, dit Abdelmajid, né en 1926 à Aïtiaïa, en Kabylie, inculpé de vol et tentative de vol. Signe particulier, parle très couramment le français et l'arabe classique. Mohamed Kider, né en 1912 à Alger. Signe particulier, porte une chevalière à diamant à la main gauche. Inculpé de recel, mandat d'arrêt du 24 juillet 1951, prononcé par le juge d'instruction d'Oran. Mohamed Boudiaf, né en 1919 à Msila près de Sétif. Condamné à mort pour ses activités militantes. Mostefa Lacharef, né en 1917 à Sidi Aïssa près d'Alger. Son seul délit a été de participer au festival de la jeunesse communiste de Varsovie en 1955. Tous ces hommes, hormis le professeur Lacharef, étaient membres de la délégation extérieure du Front de Libération Nationale Algérien. Leur arrestation allait détourner le cours de l'histoire. La mission algérienne qui a pris l'avion, le DC-3, à la fin du mois d'octobre 1956, voulait se rendre à Tunis pour préparer une conférence maghrébine regroupant l'ensemble des grands partis nationalistes maghrébins, l'Istiklal marocaine bien sûr, le néo-destour tunisien de Bourguiba et le FLN algérien. Il y avait donc la volonté d'organiser une sorte de coordination entre ces grands mouvements nationalistes pour faire en sorte de, à la fois, renforcer la solidarité entre ces trois pays, construire l'unité maghrébine, mais aussi redéfinir les rapports avec la France. Personnellement, je n'étais pas au Caire. Je me trouvais à Tétouan, dans le nord du Maroc. Le nord du Maroc, à l'époque, venait à peine d'être libéré du protectorat espagnol. On avait entendu parler des 5 ou des 4 qui allaient venir et nous étions un peu inquiets en leur disant « Mais comment se fait-il? Vous êtes des clandestins et vous venez comme ça, au vu et au su de tout le monde, la presse en parle, mais c'est dangereux. » Et c'est là qu'ils nous ont dit « Mais nous allons à Rabat pour voir le roi du Maroc, et avec lui, nous allons nous rendre à Tunis, où Bourguiba nous attend, pour faire une déclaration commune. » Il faut savoir que les membres de cette délégation étaient venus peu de temps avant le 22 octobre 1956 au Maroc pour discuter avec le sultan du Maroc, Mohamed V, en relation avec Habib Bourguiba en Tunisie. Et ils avaient comme projet de réaliser une organisation sur le plan maghrébin où l'Algérie existerait. Le sultan du Maroc voulait, dans cette conférence, jouer un grand rôle. Il voulait jouer un grand rôle parce qu'il était déjà en situation, non pas de compétition, le mot est un peu fort, mais quand même, il était en situation de ne pas laisser à Habib Bourguiba, le leader tunisien,
le monopole ou l'hégémonie politique sur la conduite des affaires au Maghreb. Et donc, il avait reçu la délégation algérienne et cette entrevue avait fortement déplu, bien sûr, à la France, fortement déplu à Guy Mollet, qui menaçait de suspendre son aide financière au Maroc si, disons, le sultan participait à cette conférence. Dites-moi, monsieur le directeur, il me semble que la compagnie aérienne Air Atlas marocaine est toujours sous tutelle française. Oui. Le sultan du Maroc, Mohamed V, se rend à Tunis, ainsi que 5 éléments du FLN. Pensez à quoi, Brunet ? Bien, je me disais, pourquoi ne pas détourner l'avion de Ben Bella et de ses acolytes sur Alger ? Et ainsi, capturer la délégation extérieure ? Le 21 octobre 1956, Robert Lacoste ne peut être joint. Pierre Chaussade confie alors au général Loriot, commandant de la 10e région militaire, la bonne fin de cette mission, avec impérativement l'aval de Paris. Le général Loriot tente alors de joindre Maurice Bourgès-Monory, ministre de la Défense et des Forces armées. Mais ce dernier a quitté son domicile à l'aube pour se rendre à Londres. Maurice Bourgès-Monory a été pris du 21 au 26 octobre par la fameuse entrevue qui a abouti au protocole de Sèvres. Et on était en train de préparer ce qui allait devenir dans quelques jours la guerre du Sinaï. Le général Loriot téléphone au domicile d'Abel Thomas. Abel Thomas, qui a été averti très tôt de ce qui allait se passer en Algérie, a répondu que c'était l'affaire du ministère de l'Algérie, que ce n'était pas l'affaire du ministère de la Défense nationale, parce qu'il n'était pas compétent, ça relevait du ministre des Affaires algériennes. Avisez, prenez les mesures que vous estimerez opportunes. Robert Lacoste ne se trouve toujours pas à Alger. Le général Loriot téléphone alors à Max Lejeune, secrétaire d'État aux Forces armées. C'est-à-dire un adjoint de Maurice Bourgès-Monory. C'était quelqu'un de tout à fait nationaliste, je dirais même sans doute colonialiste, et c'est lui qui a pris le parti ferme, sans aucune hésitation, de maintenir, de confirmer que l'arrestation des dirigeants du FLN était dans l'optique du gouvernement. Est-ce qu'il en a avisé Bourgès-Monory ou qu'il n'en a pas avisé? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire, mais la réponse est là. Monsieur le secrétaire général, dans un moment, Ben Bella passera au-dessus de nos têtes. Il faut absolument l'intercepter. Vous me signifiez que l'on va détourner un avion étranger avec comme passager le souverain du Maroc en personne. N'ayez aucune inquiétude sur ce détail. Tout est arrangé de ce point de vue. Il ne prendra pas cet avion. Son épouse souhaitant l'accompagner à Tunis, il a retardé son départ et prendra un autre vol. Le sultan ne s'est pas embarqué à bord du DC-3, mais il devait s'embarquer. Mais les pressions françaises étaient si fortes, bien sûr, qu'il avait décidé, d'ajourner sa présence à cette conférence et laissant, par conséquent, les principaux responsables algériens monter dans l'appareil. Et c'est cette nouvelle-là qui a décidé les autorités françaises d'Alger, pas de Paris, mais d'Alger, de détourner l'avion. Le 22 octobre 1956, la délégation extérieure algérienne quitte Rabat à bord du DC-3 de la compagnie Air Maroc Air Atlas. Destination finale, Tunis. Souhaiteriez-vous un café, messieurs ? Non, merci. Merci. À 16h, la tour de contrôle d'Alger entre en liaison avec l'équipage français du DC-3. Commandant, vous devriez écouter ça. Fox Bravo Victor, ici tour de contrôle d'Alger. Vous avez ordre de vous poser à Alger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez à bord Ben Bella et 4 autres chefs du FLN. Il faut nous les remettre. Qui transmet l'ordre ? Le ministère de la Défense nationale. Demandons précision. Fox Bravo Victor, au nom du gouvernement français, ordre de Monsieur Lacoste, ministre de l'Algérie. Nous appartenons à une compagnie étrangère. Ces ordres ne nous concernent pas. Fox Bravo Victor, votre avion est pris en chasse. Veuillez obtempérer. Une décision tragique et lourde de conséquences prise dans une confusion totale. L'avion est parti de Rabat sur Palma.
Et de Palma, il devait rejoindre Tunis. Donc c'est à ce moment-là que les services, disons, de l'armée française en Algérie, voyant la proie à portée de la main, se sont dit, bah, on va les abattre. Or, l'avion n'a pas traversé, bien entendu, le territoire algérien. L'avion a rejoint Palma et donc il était sur les eaux internationales. C'est donc un acte de piraterie. Un acte de piraterie aérienne qui a été le premier. Plusieurs questions se posent quant à ce premier acte de piraterie internationale sur un avion civil. Le DC-3 détourné était immatriculé F pour France, O pour Outre-mer. C'était le sous-code attribué par l'aviation civile française aux avions des compagnies d'outre-mer. C'est sans doute ce qui donnera à certains en France le sentiment qu'il s'agissait d'une affaire intérieure. Le Maroc, évidemment, proteste contre l'arraisonnement de l'avion. Et on forme une commission internationale qu'on appelle la commission de l'avion pour étudier les conditions juridiques de cet arraisonnement et essayer de régler le contentieux franco-marocain que l'arraisonnement a ouvert. Donc en fait, le sort des 5 prisonniers qui ont été faits est une question internationale. Du fait que ces gens se déplaçaient dans le cadre d'un accord ou d'un préaccord ou de discussion. Il est évident que le gouvernement français, Guy Mollet, il faut l'appeler par son nom, était au courant. Il savait pourquoi les gens se déplaçaient. Ce que l'on ne comprend pas, c'est que comment un monsieur Guy Mollet, chef du gouvernement, n'a pas été capable de donner l'ordre pour dire « Attention, même si vous l'avez fait malgré moi, eh bien, j'ai arrêté les frais ici. » Et puis, ces gens-là doivent continuer leur voyage. Dans le fond, tous ces hommes de gauche de l'époque vont beaucoup regretter l'échec, disons, des négociations qu'ils vont imputer à Guy Mollet. Ils vont beaucoup en vouloir à Guy Mollet sur le fait qu'il n'ait pas accepté ou poursuivi, disons, un processus de négociation. Au fond, l'histoire aurait pu s'arrêter là, l'histoire de la guerre d'Algérie, puisque si tout le monde était arrivé à Tunis avec cette déclaration, il est possible que l'histoire aurait pris un autre sens. La déclaration qui devait être faite à Tunis posait les bases d'un accord portant sur les points suivants. Autonomie de l'Algérie pendant 10 ans, avec un parlement composé d'Européens et d'Algériens élus au suffrage universel, avec une gestion commune des ministères de la Défense, des finances et des affaires étrangères. L'arrestation de la délégation des nationalistes algériens est précédée par une série d'événements qui permettent de mieux comprendre le contexte et la radicalisation des partisans de l'Algérie française en 1956. 6 février à Alger, le président du Conseil pénètre dans une ville en fureur. Les pieds noirs se sentent trahis par les nouvelles directives et nominations du gouvernement. 12 compagnies de CRS n'empêchent pas tomates, pots de fleurs et injures de s'abattre sur le cortège Mollet. 4 roues démissionnent le soir même et Robert Lacoste est alors nommé à sa place au poste de ministre résident. Lorsque Guy Mollet arrive au pouvoir, il y a eu la journée des tomates en février 56. Donc il a changé de position, il a été un ferme partisan de l'Algérie française, donc un partisan aussi de la manière forte avec son ami Robert Lacoste. Ils ont fait voter les pouvoirs spéciaux qui envoient le contingent en Algérie. Mais en même temps, ils savent et ils sentent qu'il faut quand même essayer de trouver une issue politique. Alors, très discrètement, très discrètement, pour ne pas dire secrètement, ils décident de nouer des contacts avec des responsables du FLN. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, mais ce qui est réel, c'est que d'un côté comme de l'autre, eh bien, on est parvenu quand même à une forme de compromis. C'est-à-dire que dans la mesure où la France, dès l'été 56, reconnaissait le FLN comme seul interlocuteur politique, valable, comme on disait à cette époque-là, alors les Algériens étaient prêts à accepter de renoncer, disons plutôt, à cette sorte d'action armée, qui de l'époque était très importante quand même dans l'année 56, et donc était favorable à un cessez-le-feu.
Si vraiment on était arrivé à un accord qui permette l'arrêt des combats, je crois que même à l'intérieur, on l'aurait accepté. Parce que le plus dur est venu après. La guerre d'Algérie, c'est, qui a pris des aspects terribles, c'est après 1956, c'est après le 22 octobre 1956. Ben Bella et ses compagnons vont passer 6 années de captivité en France, d'abord à la prison de la Santé et à Fresnes, puis sur l'île d'Aix, au fort Liédo, et au château de Turquan, et enfin au château d'Aulnoy. Loin des champs de bataille, un autre combat se profile pour ces chefs historiques. Pour ces militants qui ont tout un parcours, enfin vraiment ancien, qui ont eu aussi un rôle historique dans le déclenchement de la Révolution, venir en France avec le statut de prisonnier, ça va être quelque chose d'assez difficile à admettre, parce qu'il va falloir composer avec leur détention et composer avec leur nouveau statut, qui est de chef historique, leader du FLN, mais leader détenu. L'idée de les transférer en France, c'est de les placer dans un contexte où le pouvoir politique aura beaucoup plus la main sur leur sort que s'il les laisse à Alger. Lorsque les 5 arrivent à la Santé, ils posent tout de suite la question de leur régime politique. Au début, ils sont défendus par Pierre et René Stib. Très vite, Pierre et René Stib disent qu'il faut un régime politique en faveur de leurs clients. Alors évidemment, le gouvernement français dit « mais absolument pas, c'est impossible ». Sauf que de fait, ils obtiennent un certain nombre de facilités que n'ont pas les autres détenus. En juillet 1957, une grève des gardiens de prison sévit en France. Des escadrons de gendarmerie sont réquisitionnés pour remplacer le personnel manquant. Ce matin-là, les gardiens non grévistes quittent leur service, mais aucune relève ne se présente pour les remplacer. Je n'ai plus de gardiens. Les renforts doivent arriver normalement. Prenez les dispositions pour empêcher les prisonniers de sortir. Monsieur Ben Bella. Bonjour, manager. Je suis heureux que vous m'ayez reconnu. J'ai des ordres pour empêcher toute tentative d'évasion. Je n'hésiterai pas à faire feu si vous ne regagnez pas vos cellules. Je suis un ancien sous-officier de l'armée française. Je ne vais pas tenter de m'évader. Je vais être considéré avec mes compagnons comme des prisonniers politiques. Tout simplement. Yallah, marhoui. Leur présence en prison ne les a absolument pas neutralisés. On retrouve traces de communication entre notamment Ben Bella et des dirigeants de la Fédération de France du FLN. La Fédération FLN de France, qu'on appellera par la suite la 7e Wilaya, est une organisation du Front de Libération Nationale sur le sol français durant la guerre d'Algérie. Lorsque je suis arrivé en 1958, j'avais été désigné au sein du comité fédéral responsable aussi des comités de détention, de la défense, aussi de l'information. D'un autre côté, la structure étant faite, on pouvait obtenir les cotisations. Ce qui fait que la Fédération de France disposait d'un budget très conséquent. L'immigré algérien est un membre de la Fédération de France, quel que soit son avis, pour la Fédération de France. Donc, quand on est algérien, qu'on est en France et qu'on est placé sous une organisation telle que la Fédération de France, on doit cotiser. Donc c'est très important parce que pour le FLN, cette immigration, c'est sa survie. C'est sa survie financière. Parce que même si il y a des soutiens d'autres pays, dans une organisation révolutionnaire, si elle n'a pas son indépendance financière, elle est soumise aux influences des uns et des autres, notamment de l'Égypte. Si le premier objectif de la Fédération FLN de France était de contrôler les migrations et de financer sa révolution, une autre de ses missions sera de porter la lutte armée sur le territoire français. L'attentat contre les dépôts d'essence de Mourfiane a été un des aspects de l'activité du FLN en France. Dans le même temps, les obsèques des 4 gardiens de la paix parisiens victimes du terrorisme algérien ont été célébrées dans la cour de la préfecture de police. À la suite des premières mesures prises par le gouvernement pour prévoir et supprimer les attentats, 3000 Algériens de la région parisienne étaient arrêtés et maintenus au Vélodrome d'hiver jusqu'au terme du contrôle de leurs activités. Depuis quelque temps, la Fédération de France a reçu l'ordre de déclencher le terrorisme dans ce pays.
bien que cette décision ait été fort discutée dans le passé. Par des responsables qui l'a considérée inapplicable ici. Sans tenir compte des avis autorisés de certains frères. Ni des conditions économiques, morales et humaines dans lesquelles vivent les immigrés algériens. Nous avons pris sur nous de demander à la Fédération de France de sursoir à l'exécution de votre directive sur le terrorisme, jusqu'à ce que vous ayez réexaminé cette grave question. De leur prison, les chefs historiques vont tenter de s'opposer à ces attentats, mais leurs protestations resteront sans effet. Le 29 mai 1958, la 4e République se retrouve une nouvelle fois dans l'impasse. René Coty entre en contact avec le général de Gaulle, à qui il remettra les pleins pouvoirs avec la bénédiction de l'Assemblée nationale. De Gaulle sera-t-il le sauveur, le remède à ce chaos programmé qu'était le conflit algérien ? Nous, à cette époque-là, à la Fédération de France, nous ne faisions pas de très grandes illusions sur de Gaulle. Parce que pour nous, de Gaulle avait fait le discours de Brazzaville auparavant en disant « La France entend amener les pays dont elle a la charge à s'administrer librement » et on s'aperçoit que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc depuis 1945 jusqu'à 1958, la France n'a en rien modifié sa politique coloniale. Les arrestations des émigrés algériens étaient de plus en plus nombreuses. Et pour répondre à la politique de Gaulle, la Fédération de France investit les prisons. Pour nous, le détenu n'est pas un militant hors de combat. On combat partout, et là où on se trouve. On donne des directives, créer un comité de détention. Quand vous avez 1000 personnes structurées, capables d'agir de la même façon, vous avez une force extraordinaire. Alors là, quelle est l'arme du détenu? Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. C'est la grève de la faim. Les grèves de la faim, ça a été extrêmement important pour la détention FLN. Il y avait une discussion pour savoir si la grève de la faim, pour la première grève de la faim, avant qu'elle débute, si c'était uniquement pour les cadres de la Révolution et les étudiants. La question a été posée aux 5 chefs historiques qui ont dit « il faut que cette grève de la faim ait lieu ». Dans toutes les prisons en même temps, que ce soit une grève de la faim illimitée et pour obtenir un régime politique pour tous. Pour que ce mouvement ait une résonance auprès de l'opinion publique, les avocats, d'une part on a saisi la chancellerie, on a fait des conférences de presse, on a saisi les Nations Unies et au bout du 10e jour de grève, la chancellerie a entamé les négociations avec d'une part les délégués FLN et les chefs historiques. La grève de la faim a commencé à Fresnes pour retentir à Manhattan. L'ONU adopta la thèse algérienne sur les détenus politiques à la majorité face à 7 voix contre et l'abstention des États-Unis qui, pour la première fois, cessèrent d'appuyer les positions françaises sur l'Algérie. On nous demanda de préparer nos bagages sans aucune information sur notre destination. Celle-ci était tenue secrète, autant pour nos avocats que pour la direction de la prison de la Santé. Après un vol de nuit vers Quimper, nous embarquons sur un escorteur, le Chamois. Au petit matin, nous abordâmes la petite île d'Aix. Ils sont arrivés, ils ont d'abord une section de CRS qui sont venus. Ils ont fait rentrer tout le monde dans les maisons pour laisser passer Ben Bella en voiture jusqu'au fort.
On l'a su le jour de leur arrivée, ou peut-être la veille, mais on ne savait pas. On n'était pas au courant. On savait qu'il y avait des prisonniers qui allaient venir. Qui allaient venir, mais parce qu'ils avaient refait le fort Liedo entièrement. C'était tout capitonné partout. Alors qu'avant, c'était de la pierre nue. Il fallait un minimum de confort, il fallait aménager des toilettes, il fallait aménager aussi un poste de garde, revoir les cuisines, revoir les sanitaires, monter tous ces rangées de barbelés. Alors il y avait les gardes mobiles qui faisaient le tour de l'île par les petits sentiers, pour voir s'il y avait quelqu'un qui accostait, et puis les vedettes qui faisaient le trajet constamment. Ils n'avaient pas pensé que dans l'Atlantique il y a des marées. Alors, ils avaient installé leur ligne de barbelés d'une plage à l'autre, d'une plage à l'autre, et quand l'eau était basse, il n'y avait plus de barbelés. Donc, on passait, la ligne de barbelés s'arrêtait là, à marée haute. Et quand l'eau était basse, on passait là. On passait à côté. Il y avait 120, 130 gardes mobiles, les gardiens de prison, le service de santé, grosso modo, ça faisait pas loin de 200 personnes. Beaucoup de gens étaient mariés, d'où deuxième classe, deux instits, et non pas une seule. Et ces gens l'ont consommé. 30 ans après, est venu sur l'île d'Elbe Aïd Ahmed. Je l'ai accompagné, visité le fort Liedo. Il était secoué en pensant au passé. Et il me disait, quand je voyais le soleil se lever, ça me rappelait Alger. Trois jours seulement après l'arrivée des prisonniers, une lettre ouverte de la population de l'île était adressée au général de Gaulle. Nous nous permettons d'attirer respectueusement votre attention sur un problème assez éloigné de ceux qui vous préoccupent. Pourtant, nous serions reconnaissants à votre autorité et à vos collaborateurs de penser aux répercussions regrettables qui mettent notre petite île au passé napoléonien sur le rang d'un pénitencier. Quand on décide de les transférer à l'île d'Aix, on les place sous le régime de l'assignation à résidence, qui n'a rien à voir avec un régime de détention. Un assigné à résidence est uniquement tenu de résider dans une circonscription limitée. C'est bien pour ça qu'on les met sur une île, parce que c'est pratique. Mais ça n'a évidemment pas toutes les implications qu'a l'enfermement en prison. Durant leur incarcération au fort Liedo, les services de renseignement français ont mis en place un dispositif d'écoute qui nous renseigne sur l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les prisonniers. Aix, le 6 avril 1959. Visite de diplomates tunisiens et de Massali Hadj au fort Liedo. Ces visites nous paraissent comme exceptionnelles. Et samedi 23 mai 1959. Boudiaf prépare son départ pour raison de santé. Il sort peu, étudie la langue espagnole par correspondance. Un rapport journalier du 24 mai 1959. Les détenus restent dans leur chambre. Le 1er juin 1959, le détenu Boudiaf a quitté sous escorte l'île d'Aix. Ce jour, à 16h, il a été conduit à Rochefort, d'où il a pris, à 17h10, un avion en direction de Paris. Aix, le 24 septembre 1959. Maître Mourad Oussedik a passé l'après-midi du 23 courant en compagnie de Ben Bella. Pour la plus grande partie de la journée, a joué dehors avec les enfants de Kider. Rien à signaler. Durant ces années de détention, de nombreux avocats prirent le bac pour l'île d'Aix. Tous avaient un point commun, ils faisaient partie d'un collectif. Le comité fédéral a pris une mesure, mobilisation de tous les avocats algériens. Vous êtes mobilisés, d'autres sont au maquis, risquent leur vie. Vous, eh ben, vous allez combattre sous la robe. Pas avec les armes, mais vous allez expliquer, exprimer ce que le militant illettré ne peut pas exprimer devant cette tribune magnifique qu'est le prétoire. L'idée de la Fédération de France du FLN en créant un collectif, c'est d'avoir des avocats qui vont suivre ces instructions et qui vont se mettre au service de la Fédération de France du FLN.
Je suis devenu avocat en 1956. J'avais 22 ans, j'avais étudié le droit, bien sûr, et j'avais fait Sciences Po, et j'avais fait partie de comités antifascistes. Un jour, où j'allais plaider une affaire de droit commun, j'ai vu une affaire qui était l'affaire de Mustapha Amor, un étudiant algérien que je ne connaissais pas et qui a expliqué tous les problèmes des Algériens, qui a expliqué aussi la torture que subissaient les Algériens dans les prisons à Paris. J'ai été indigné et j'ai décidé que je voulais défendre les Algériens dans ces conditions. J'ai été voir l'avocat qui le défendait et j'ai dit « moi aussi ». Et c'est comme ça que j'ai intégré le collectif. J'avais été commis d'office par le bâtonnier, parce que j'étais avocate stagiaire à l'époque, pour défendre un Algérien qui était impliqué, enfin, dans un attentat. Et cette affaire devait passer devant le tribunal permanent des forces armées de Lille. Quand je suis arrivée au tribunal, j'ai rencontré ce qu'on appelle le collectif. Et j'ai vraiment eu l'impression que la guerre d'Algérie entrait dans le prétoire. Entrez. Il y a un type en bas. Sur le trottoir d'en face. Il fait les 100 pas. T'as été suivi? Non, il était déjà là quand je suis arrivé. Nous devons être très prudents. Voilà une semaine que 8 d'entre nous ont reçu une lettre de menace. Et les autres avocats, qui sont-ils? Michel Beauvillard, Ben Abdallah, Maurice et Janine Courrèges, Vergès, Zavrian et Ouldaoudia. À Matignon, Michel Debré pestait contre ce collectif d'avocats engagés avec le FLN, bientôt désigné comme l'ennemi à abattre. Le bruit courait que des armes étaient introduites par certains avocats dans les prisons, quand d'autres recueillaient des instructions auprès des chefs emprisonnés sur l'île d'Aix. Je respecte ces avocats qui ont pris des risques. Certains ont été sanctionnés de suspension, d'autres ont été arrêtés, certains ont été abattus. Ouldaoudia a été abattu. Abattu par ce qu'on appelait la main rouge à l'époque, mais qui n'était que l'habillage extérieur des services secrets du SDES, quoi. Donc, si vous voulez, le combat du collectif, même s'il était sous la robe, c'est quand même un combat qui était d'abord dangereux et deuxièmement, qui a été d'une efficacité extraordinaire. Parce que dans des grands procès, évidemment, les médias s'en emparent et évidemment, les idées sont exprimées vraiment à une échelle infiniment plus grande que par un tract ou un communiqué du FLN. Au moment où la guerre d'indépendance commence, il y a des avocats qui ont l'habitude de plaider dans des procès politiques. Et de ces habitudes-là découle l'idée qu'en contexte politique, on n'exerce pas la défense de la même façon et qu'on peut utiliser la répression en fait au bénéfice de la cause et que l'on peut essayer de retourner le procès en occasion de faire une tribune politique. Dans certaines affaires du FLN, qui étaient jugées par les tribunaux militaires, il était absolument évident que la peine de mort serait prononcée et qu'il n'y avait rien à faire. Donc, nous devions essayer d'alerter l'opinion publique. C'était notre seul recours. C'est ça la défense de rupture. À ce moment-là, au lieu de demander l'indulgence, au contraire, on insiste sur le fait qu'ils sont coupables, mais qu'ils pensent qu'ils ont bien fait et que peu importe quelle sera la sentence et peu importe ce que les juges militaires en pensent. Dans ces procédures, dans ce combat de procédure, on déposait entre autres
J'ai déposé entre autres des conclusions qui réclamaient l'application des conventions de Genève. Les conventions de Genève, il y avait la troisième convention de Genève, qui était une convention sur les personnes qui étaient interpellées et qui devaient être considérées comme prisonniers de guerre. Or, malheureusement, il y avait le mot « guerre ». On n'a jamais reconnu le caractère de guerre à la guerre d'Algérie. C'était toujours les événements. D'ailleurs, employer le terme de guerre, c'était une infraction. En 1999, la loi française reconnaît que ces événements constituent la guerre d'Algérie. Les détenus que vous avez arrêtés, c'est quoi? C'est des prisonniers de guerre. À quel titre vous allez guillotiner des prisonniers de guerre? J'ai eu environ 9 clients qui ont été condamnés à mort. Pendant que le recours de la Cour suprême était examiné, il ne pouvait pas être exécuté. Si le recours était refusé, à ce moment-là, nous faisions une demande de grâce au président de la République. Lorsque nos clients étaient transférés dans une autre cellule de la partie de la prison, c'est qu'ils avaient été graciés, ou alors deux policiers venaient nous chercher pour aller à la prison et assister à la guillotine. C'était une émotion épouvantable. Mes clients, par chance, ont été graciés. Parce que par une chance extraordinaire, le président de Gaulle ne voulait pas me serrer la main. Il considérait qu'étant donné que j'étais française et bourgeoise, que j'étais une traître à la France, et il a préféré gracier mes clients sans me recevoir pour ne pas me donner la main. Et donc il les a tous graciés. À l'arrivée de Gaulle, il a gracié les condamnés à mort. Oui, mais il y a eu plus de décapitations de 58 à 62 que de 54 à 58. Donc De Gaulle, avec sa politique au départ, était d'écraser totalement les FLN et ensuite de dire « moi, De Gaulle, je prends telle mesure ». Grâce au progrès de la pacification, au progrès démocratique, au progrès social, on peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Lorsque le général de Gaulle arrive au pouvoir en mai 58, il a une position quand même très arrêtée, à mon avis, sur l'Algérie, c'est que le statu quo doit être brisé. C'est-à-dire l'intégration de l'Algérie à la France est impossible. Tous les témoignages le disent, il pense qu'il faut sortir de cette situation qui est celle d'une Algérie française classiquement intégrée à la métropole. Il faut réfléchir à d'autres solutions pour l'Algérie. Et comme on le sait, il prononcera un discours très célèbre le 16 septembre 1959 qui ouvre la possibilité de trois options. Intégration qu'il refuse, sécession qu'il refuse, association qu'il propose. Bon. Mais ce faisant, il propose ce qu'on appelle l'autodétermination. Nous avons commencé à croire qu'on pourrait terminer la guerre après son discours de septembre 59, lorsqu'il a parlé d'autodétermination. Encore que, il fallait qu'on aille à cette autodétermination par des élections normales et non pas des élections truquées. Je vous attendais à Paris. Je suis toujours là. Pas pour longtemps. L'été prochain, les touristes pourront venir normalement à l'île d'Aix. Le bruit a couru que le général de Gaulle vous a fait part de sa déclaration avant de la communiquer. Non, pas du tout. Pourtant, j'ai entendu dire que Gaston Gosselin est venu sur l'île d'Aix avant le 16 septembre et aurait évoqué avec vous le terme d'autodétermination. Mais on n'a pas parlé de cela.
À Tunis, on raconte partout que vous avez donné votre accord à l'autodétermination. J'ai mis les choses au point dès le début. Donc ce qu'on raconte sur votre acceptation est impossible. Non, c'est impossible. Je vous invite à lire Paris Presse. On peut dire que les temps changent. Le discours du 16 septembre 1959 est déterminant puisqu'il reconnaît l'existence d'une nation algérienne en formation. Le principe du droit du peuple algérien à disposer de lui-même est donc reconnu par l'État français, bien qu'il ne soit pas souhaité. Par cette habile proposition, de Gaulle évite de négocier avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, formé depuis septembre 1958. Selon leurs orientations idéologiques, les journaux adhèrent à l'une ou à l'autre des propositions. Mais dans l'ensemble, le ton change. Regardez, de Gaulle est un grand homme, bien difficile à cerner. De juin 40 à 47, il est l'homme de la résistance. Et il est fort populaire. De 47 à 53, il est l'homme de la réaction. De 53 à 57, il est l'homme du libéralisme. Et depuis le 13 mai, il est redevenu l'homme de la réaction, en devenant l'homme de la gauche dans une certaine mesure. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans le mouvement. Et ce sont les ultras qui sont en dehors de la communauté nationale. Vous vous souvenez ce qui s'est passé pour les négociations tunisiennes? Bourguiba a été appelé en dernier lieu. Vous aussi, vous serez peut-être appelé en dernier lieu pour trancher certaines difficultés. Il y a dans l'esprit du général de Gaulle, encore pendant au moins un an et demi, la possibilité de jouer entre FLN et MNA, ce que Messali refusera d'ailleurs, en refusant de participer aux négociations, en étant utilisé ou instrumentalisé contre d'autres Algériens, mais également essayer de jouer à l'intérieur du nationalisme algérien traditionnel, en essayant plutôt de jouer ceux de l'intérieur contre l'extérieur. Or, précisément, ce que va faire le GPRA lorsqu'ils vont voir l'ensemble de ces manœuvres se dessiner, eh bien, ils vont dire, il faut négocier avec ceux qui sont emprisonnés en France. C'est-à-dire qu'ils vont désigner comme représentants, comme négociateurs, ce qui est une manœuvre, bien sûr, politique, publique, une façon de signifier, disons, une volonté politique forte et de fermeté, de désigner comme négociateurs les personnages qui sont arrêtés en France depuis octobre 56. Bon, ce qui donnait au général de Gaulle un message qui était de dire, grosso modo, vous ne pouvez pas compter sur nous pour essayer de nous opposer les uns aux autres. Est-ce que le plan de Gaulle va nous conduire à l'indépendance? Moi, je dis oui. La déclaration telle qu'elle a été présentée par de Gaulle signifie reconnaissance de la France et donc restitution de la souveraineté algérienne. Le principe en lui-même implique l'indépendance. Le plan de de Gaulle? Non. Tel qu'il est présenté, moi je pense que si. Et dans le plan de de Gaulle, il n'y a rien, Eshmar. Je ne parle pas des moyens ni des modalités. Tout cela n'est qu'un manège politique. Mais le plan de de Gaulle n'est qu'un ABCD qu'on peut étendre jusqu'à Z. Le plan de de Gaulle ne nous conduira pas à l'indépendance. Je ne dis pas qu'il va nous y conduire inévitablement. Mais on peut y accéder si nous lui donnons une interprétation. Pour le GPRA, la proposition de de Gaulle peut nous y conduire sous certaines réserves, bien entendu. Khawa, la décision nous appartient. Les souhaits des nôtres indiquent l'indépendance complète et totale. Adhère. Mais l'annonce de l'autodétermination fait monter en première ligne les partisans de l'Algérie française. Le 18 janvier 1960, le général Massu, héros de la bataille d'Alger, déclare dans un journal allemand « De Gaulle était le seul homme à notre disposition. Peut-être l'armée a-t-elle fait une erreur. » Cette infraction au devoir de réserve lui vaut son départ d'Algérie. Suite à cette mutation, Alger s'embrase. C'est ce qu'on appellera la semaine des barricades. Il a fallu encore une année de guerre, une année de lutte, une année de sang pour enfin parvenir aux avant-projets d'accord d'Évian qui discutent bien sûr de l'avenir du pays dans son intégralité territoriale. Moi je ne pense pas que de Gaulle en arrivant en 58 avait, comme certains l'ont dit par la suite, les partisans de l'Algérie française, de Gaulle nous a trahis parce que dès le départ, il savait qu'il allait à l'indépendance. Je ne pense pas. Je pense que de Gaulle s'est résolu
à aller à accepter l'indépendance parce qu'il s'est rendu compte que la lutte armée ne réglait pas le problème définitivement. Loin de ce tumulte, dans l'ombre d'une guerre, les chefs historiques semblent avoir échappé à bien des représailles, aussi bien du côté français que du côté algérien. En 1961, ils quitteront la forteresse du Fort Liédo pour un lieu de détention plus approprié. Ils finissent par être transférés au château de Turquan, où là, ils sont dans des conditions matérielles éminemment plus favorables, beaucoup moins isolées. Et puis, à l'heure des négociations, ils sont consultés sur les négociations. J'ai commencé à leur rendre visite à ce moment-là, puisque j'étais l'avocat de Boudiaf, de l'Ashraf et de Ben Bella. C'était un château dans lequel ils étaient libres de leurs mouvements, dans le château et dans le jardin, mais évidemment qui était complètement entouré de gardiens. Parfois ils recevaient des visites, parfois ils n'en recevaient pas, mais ils étaient ensemble et évidemment la discussion portait presque toujours sur l'avenir de l'Algérie. Un des motifs de discussion était le mode de gouvernement après l'indépendance. Il y avait aussi des questions personnelles. Ahmed Ben Bella était un homme avec une personnalité qui charmait tout le monde. Boudiaf était au contraire un homme très austère. C'était deux hommes très attachants, mais très différents. Le prisonnier n'a qu'une idée en tête, c'est de s'évader. Il s'intéresse plus à son évasion qu'à sa situation matérielle en prison. Hein. Il y a eu un plan qui était vraiment pas mal. C'était au château de Turquan. Il y avait beaucoup de champignonnières dans la région qui arrivaient proches des fondations du château. On a avisé donc les quatre en leur disant « Tenez-vous prêts, il y a quelque chose en perspective ». On a placé tout autour de la région des groupes de choc armés pour pouvoir protéger leur départ. Puis comme par hasard, la veille du jour J, les gendarmes et les gardes mobiles rentrent dans le château au rez-de-chaussée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on suppose que Ben Bella ait téléphoné à Habitat deux ou trois jours avant pour lui dire « Débrouille-toi, mais il faut venir. Tu as le droit d'être ici. Après tout, ta place est parmi nous. C'est très important. » Ah, je pense que cette communication téléphonique a dû être intercepté et que les services de garde ont dû faire en sorte que la garde soit beaucoup, beaucoup plus rapprochée. Ce coup de fil de Ben Bella était-il innocent? Quelle aurait été la suite de ce conflit si l'évasion des chefs historiques du château de Turquan avait eu lieu alors que les deux parties se préparaient à sceller les accords d'Évian? Le 13 novembre 1961, les chefs historiques sont transférés au château d'Aulnoy, près de Paris. Le gouvernement français n'a pas officiellement consulté les détenus d'Aulnoy. Les détenus d'Aulnoy ont été consultés par le GPRA d'une façon clandestine. J'y ai participé puisque Omar de la Fédération de France m'a demandé de venir en Belgique et de rapporter aux détenus une enveloppe dans laquelle il y avait tout le plan qu'ils avaient. Les chefs historiques encore détenus vont approuver le plan de paix. Les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 mettront fin à la guerre d'Algérie. Pour la dernière fois, les hélicoptères des négociateurs FLN survolèrent le Léman pour regagner Genève, où les délégués algériens réunirent une conférence de presse pour annoncer que l'accord était fait sur le cessez-le-feu en Algérie. Libérés dans la nuit, Ben Bella et ses compagnons allaient à leur tour gagner Genève avant Rabat. L'incarcération durant plus de 6 ans des leaders de la révolution a évité au FLN la guerre des chefs. Mais celle-ci n'a été que partie remise. Ahmed Ben Bella sera le premier président de l'Algérie. Il sera renversé par le coup d'état de Wari Boumediene le 19 juin 1965.
Emprisonné puis assigné à résidence jusqu'en octobre 1980, il meurt à Alger le 11 janvier 2012. Mohamed Kider sera assassiné le 4 janvier 1967 à Madrid par les services spéciaux algériens, accusé par le président Boumédiène d'avoir détourné les fonds du FLN. Sa veuve, en conformité avec l'esprit qui avait toujours été celui de son mari, remettra en 1970 à la République algérienne tous les documents concernant ce trésor de guerre. Mostefa Lacharef mènera une longue carrière politique et diplomatique. Il meurt le 13 janvier 2007 à Alger suite à un accident vasculaire cérébral. Mohamed Boudiaf, en désaccord avec Ben Bella dès l'indépendance, il quitte l'Algérie pour la France, puis le Maroc. Le 16 janvier 1992, il sera rappelé en Algérie pour devenir le président du Haut Comité d'État. Il sera assassiné 100 jours plus tard. Hossine Aït Ahmed démissionne du gouvernement provisoire de la République algérienne. En septembre 1963, il fonde le Front des Forces Socialistes. Arrêté en 1964 et condamné à mort, il s'évade en mai 1966 et depuis réside en Suisse. Les forteresses ne sont que le reflet de nos propres peurs. Chacun d'entre nous érige des murs, les plus hauts, les plus épais, persuadé que l'ennemi est forcément l'autre. C'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de lutte. Comme le dit Nelson Mandela, si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi. Et cet ennemi devient votre associé.